Près du lac d'Annecy se trouve la réserve naturelle du Roc de Cher, gérée par le Conservatoire du Littoral. Vous pourrez y découvrir un massif forestier encore sauvage et préservé de l'impact des activités humaines. Ici, on est sur la réserve naturelle nationale du Roc de Cher, sur la commune de Talnoire, en Haute-Savoie. La réserve naturelle, elle a la particularité d'être donc au bord du lac d'Annecy. C'est un espace en fait qui est très convoité, très utilisé par tous, qui est pas mal urbanisé. On a une problématique de continuité écologique. Ça désigne l'ensemble du domaine vital d'une espèce. Là où l'espèce va se reproduire, là où l'espèce va trouver de quoi se nourrir, là où elle va se reposer, être à l'abri. En tant que gestionnaire, on va être en lien avec tous les acteurs du territoire, aussi bien les agriculteurs que les municipalités et même les habitants. L'idée, c'était d'être dans la construction, assurer qu'il y a un certain nombre d'espaces qui vont rester non urbanisés, non construits, c'est primordial. Montrer qu'en fait, c'est possible de faire tout plein de choses sans pour autant impacter la biodiversité.